Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, chers amis photographes, utilisateurs de matériel Sigma ou pas. Nous sommes le mardi 31 mai. Je suis Bertrand Guienneuf. Comme vous en avez l'habitude maintenant, on se retrouve toutes les fins de mois pour mettre vos photos à la une. Vos photos font la une. Et cette fois-ci, c'est les coups de cœur du mois de mai. On retrouve tout de suite et comme à l'habitude Damien avec qui je co-présente bien sûr cette émission. Bonjour Damien. Bonjour Bertrand, bonjour à vous tous. Très content de vous retrouver pour cette fin d'année pour partager vos photos. Bonjour Bertrand, hein, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvé sur le plateau. On a eu la chance de se retrouver sur un meeting aérien il y a, on va dire, une dizaine de jours. Et voilà, donc ça y est, on reprend nos lives avec plaisir. Et on attaque tout de suite avec, comme à l'habitude, les petites infos, les dernières infos Sigma, à commencer par la remise des prix. Et Je parle voilà, on a carnet. eu la chance de recevoir deux prix TIPA cette année. Le premier, c'est sur un petit zoom pour boîtier APS-C, qu'il existe en monture semi et en L-monte. Et c'est le 1850 ouverture 2.8 constante pour DC-DN, en Et version donc, contemporary. il a reçu le TIPA au titre de meilleur zoom APS-C. Et le Voilà, deuxième produit dans la catégorie meilleur focale fixe grand angle pour plein format, Damien. donc dans la série iSeries, le 20 mm ouverture 2 DG-DN pour plein format. C'est en monture aussi semi-E et en L-monte. Et bien voilà, une belle optique aussi taillée pour l'ultra grand angle en grande ouverture, hein, ouverture 2 avec une finition métal. Hein. Elle fait partie de la superbe série iSeries où on retrouve maintenant plusieurs modèles. Et on retrouve notamment le 35-2 que j'ai sur mon boîtier FP pour cette retransmission, pour ce direct live comme d'habitude. Donc c'est de très bonnes petites optiques qui ont été reconnues par les TIPA World Awards. On enchaîne tout de suite avec... Avec quoi fait-on la sélection des photos des coups de cœur? Eh bien, c'est les photos que vous postez sur le groupe utilisateur, Damien. Oui, un groupe qui s'appelle Utilisateur Sigma. C'est un groupe de passionnés qui échangent autour de la photographie avec des thèmes, avec du matériel à chaque fois. Voilà, c'est un petit groupe comme un petit club photo. Mais entre nous, on est quand même 12 000, un petit peu plus de 12 000 maintenant. Et c'est toujours dans la bienveillance et c'est ça qui est chouette. En fait, c'est un vrai club photo Sigma. Donc, n'hésitez pas à venir vous y inscrire pour publier vos photos. Vous aurez peut-être la chance d'être sélectionné pour les prochaines sélections, notamment en celle de juin, qui va démarrer dès demain, puisqu'on est le premier demain. Vous avez bien sûr une adresse unique pour taguer vos photos @sigmafrance pour tous les réseaux sociaux. Hein, c'est une adresse commune, donc n'hésitez pas. Et vous avez également, pour ceux qui ont un travail peut-être un peu plus abouti, Damien, un blog. Oui, un blog, hein, voilà, c'est un blog qui va permettre de pouvoir poster un travail, quelque chose de réfléchi, quelque chose que vous avez un petit peu maturé autour de la photographie. Et Benoît Dorel, hein, on l'avait invité aussi suite à ça. Vous allez vous faire repérer, vous allez vous faire choisir un petit peu par Renault et ainsi de suite. Et voilà, donc toujours de bonnes façons de pouvoir poster, de pouvoir vous mettre en avant, vous et votre travail. Alors, vous n'oubliez pas que pendant cette sélection, vous avez le chat qui est à votre disposition. Je salue d'ailleurs Julien qui nous dit bonjour. Vous allez pouvoir faire vos commentaires et pourquoi pas donner aussi quelques précisions quand on va ne pas savoir quel oiseau ou quel insecte est sur la photo et si le photographe n'a pas fait cette précision. Je sais que vous êtes toujours là pour nous donner un petit coup de main.
Bon, tu es prêt, Damien? Oui, et Renaud nous dit en régie si tu peux baisser un tout petit peu le fond sonore, s'il te plaît, pour la musique. Alors, on va commencer. Oui, vous avez remarqué, hein, c'est une nouveauté que l'on a mis en place. On a mis un petit fond sonore pour agrémenter cette sélection, puisque bah, le soleil arrive, hein, on peut commencer à penser à l'été et avoir une petite musique d'ambiance pour aller sur les dance floors ou sur les terrasses à l'heure de l'apéro, sans excès et en toute modération, bien sûr. Alors, Damien, t'es prêt? On est parti, on continue. Hop, et on commence par, bah, on disait tout à l'heure, un Benoît Dorel qui est sélectionné. Et moi, je vais nous faire disparaître pour que vous puissiez apprécier en plus grand les photos choisies. Hop. Vas-y, Voilà, donc Damien. la première photo qu'on a sélectionnée, un petit clin d'œil à Benoît Dorel, hein, puisqu'il était venu parler sur un live de tout son travail autour de ses petites figurines. Donc on vous invite, et Renaud va mettre le lien, vous allez pouvoir retrouver ce live pour ceux qui ne l'ont pas encore vu ou qui veulent le revoir. Et puis sur cette image, il nous a fait, Benoît, un petit clin d'œil au futur salon de la photo à Paris qui aura lieu à la Halle de la Villette fin non début octobre. Oui, du 6 au 9 octobre. Donc, on sera très heureux de vous y retrouver après 2 ans de suspension pour cause sanitaire. On sera très heureux de vous retrouver en chair et en os. Alors, on va continuer la sélection. Donc, après ce petit clin d'œil à Benoît que l'on salue, bien sûr, on va. Alors, déjà, je vais me remettre sur le chat pour suivre un petit peu les commentaires. Et on attaque avec bah, ce bel insecte. Voilà, hein, donc un joli insecte posé sur une belle fleur, comme, sur une belle tige, une herbe avec de la rosée, et c'est réalisé au Sigma au 105 f/2.8 macro. Et c'est une photo réalisée par Eric, mais je n'ai pas plus de précision. Je ne sais pas si c'est réalisé avec l'optique 105 pour réflexe ou la nouvelle version pour hybride. En tout cas, on remarque, hein, ben voilà, toujours hein, ce bokeh et puis cette netteté grâce à ce 105 macro. Alors, j'en profite aussi pour dire bah, que sur ce 105 macro, vous allez pouvoir bénéficier. Il y a une remise qui se termine ce soir. Donc, vous avez juste après le live une petite demi-heure ou 1 heure pour aller dans votre magasin préféré faire une commande si vous appréciez ce style de photo. Oh, ah, la queue, le. Et voilà une photo de Patricia Corby qui s'attendait à faire une photo de cerf et a vu une petite horde comme ça de jeunes sangliers et c'est réalisé au 100-400 Sigma. Et bien voilà, hein, donc on arrive aussi à mettre de temps en temps à choisir dans la sélection des photos comme ça. Qui sortent un petit peu de l'ordinaire où ben, le photographe est en poste et puis il se fait surprendre et puis s'attend pas et dans ses commentaires nous dit un petit peu ce qu'il a vécu au tenté et voilà pour ça qu'on a sélectionné cette belle image. Oui, c'est photo sujet originaux, puisqu'on voit rarement des petits marcassins traverser comme ça devant soi. Alors, un bel effet miroir dans Honfleur la Bleue. Exactement, en fleurs à l'heure bleue, réalisé par Pierre, qui avait participé au défi photo avec ce bel effet miroir, pas une goutte de vent qui ferait des petits clapotis. Et voilà, un superbe effet miroir réalisé au 24 mm 1.4 art. Et là aussi, ben, vous remarquez que le mât à droite est toujours bien droit, que le pignon à gauche est toujours bien droit. Donc, toujours le point fort de nos ingénieurs qui ont vraiment travaillé sur les absences de distorsion et de déformation en effet barillet sur tous les grands angles ou les ultra grands angles de la gamme Sigma. Autre effet miroir, plus moderne.
Exactement, une belle photo d'architecture, c'est toujours impressionnant, comme ça, avec ce bel effet miroir aussi, avec ce ciel sur une pause longue hein, de 30 secondes, ce qui fait que les nuages aussi sont lissés par l'effet du vent. C'est réalisé par Julien Michel avec un Sigma, le 1424, en ouverture 2.8, associé au boîtier hybride Canon R6. Eh ben, l'occasion de redire que nos optiques Art monture, DG en monture, par exemple Canon, marchent très bien avec les Canon de la gamme R, les nouveaux hybrides. Et pareil, évidemment, pour les optiques Art Sport DG en monture Nikon qui marchent également très bien avec les hybrides de la gamme Z, en attendant une éventuelle sortie un jour. Peut-être d'une monture R et Z, mais pour l'instant, aucune info de ce côté-là. Mais en attendant, vous pouvez sans aucun problème utiliser vos optiques DG, même investir dans une optique DG pour mettre sur votre hybride, puisque l'avantage, c'est qu'elles sont quand même très abordables au niveau prix. Alors là, c'est un petit clin d'œil à ce que tu évoquais tout à l'heure, le meeting de la FOSA où nous étions réunis il y a 10 jours à Cognac. Oui, voilà, Bertrand, c'est Frédéric David qui nous propose cette jolie photo. Il l'intitule Un matin à Top Gun. Alors, on peut tout de suite faire ce petit clin d'œil hein, à la dernière saga Top Gun sortie sur les écrans qui apparemment attire beaucoup de monde. Et on peut dire que le film a été réalisé avec des optiques cinéma. Donc, toujours Sigma, intéressant. Sigma, les Et optiques en Sigma, mais cinéma, Sigma. oui, pardon, des Sigma cinéma. Voilà, et que donc sur cette photo en tout cas, c'est réalisé avec un 5D Mark III et le 85 DG 1.4 Art. Et là, il est à 100 ISO en grande ouverture, puisqu'il est à 2.2 d'ouverture. Et voilà, donc il a aussi joué sur la flaque à l'avant pour avoir cet effet miroir et ce coucher ou ce lever de soleil. Alors l'avantage aussi hein, d'avoir un film Top Gun Maverick, Tom Cruise qui sort sur les écrans actuellement, ça valorise et ça montre surtout à tous les amateurs que les professionnels n'ont plus peur aujourd'hui de choisir Sigma, hein, puisque un film comme Top Gun, c'est vraiment un blockbuster, comme on dit, et tout est tourné en Sigma, c'est très flatteur pour notre société et un grand retour sur la qualité des optiques, puisque apparemment le film est relativement époustouflant. Donc, on ira voir ça quand il y aura un peu moins de monde à vouloir aller le voir, mais on se fera un plaisir de voir le nom Sigma sans doute. Dans le générique défilant au niveau du matériel de prise de vue. Alors, on enchaîne avec peut-être encore un autre effet miroir. Et oui. Une photo d'Olivier Perasso qui lui donc a participé lui aussi au défi Photo Sigma de cette semaine et il mentionne volontairement, il nous dit pas le lieu et apparemment il nous dit que c'est tellement connu ce phare que vous allez pouvoir dans le chat pouvoir citer ce phare. C'est réalisé en 2019 avec le 70-200 DG APO stabilisé, donc la version EX montée sur un 6D Mark II et il avait mis un petit peu de traitement DxO et il avait fait quoi? Il était au il avait fait ouais, au 60e de seconde à 2.8 et 320 ISO. Alors, nos amis les gens du chat, si vous avez une idée de ce phare, alors je vois qu'il y en a qui parlent de phare breton. Oui, je pense que c'est un phare breton, mais sans les pruneaux. Hein, sans les pruneaux. Moi, j'ai une petite idée. Je ne sais pas si, mais peut-être le phare de Belle-Île, je dirais peut-être. Donc, je ne sais pas si certains peuvent affirmer ou confirmer, mais peut-être, je dirais bien le phare de l'acheter à Belle-Île, de l'entrée du port. Mais bon, peut-être effectivement un phare ouest, sans doute.
Alors, vous savez que chez Sigma, les utilisateurs Sigma font de la photo, mais vous voyez aussi qu'ils font des très beaux tableaux, puisque là, on a une belle peinture, de style impressionniste. Ouais, hein, ben, c'est Stéphane qui propose ce joli cliché. C'est fait avec un boîtier Nikon APS-C et le Sigma 1835 1.8. Il a intitulé ça Reflet. Et voilà, et on aperçoit au fond aussi deux personnages qui se détachent aussi sous les arbres. Et donc, si vous observez bien, c'est effectivement le reflet des arbres dans l'eau. C'est vraiment une photo qui est surprenante, parce que vraiment, au premier abord, on dirait une toile impressionniste. Donc, très, très beau cliché, très beau résultat. Félicitations aux photographes. Alors là, ben, on revient sur de la macro. Oui, hein, et c'est Angélique qui nous propose un petit peu de poésie, dit-elle, de vers en vers, hein, une fois avec un S, une fois avec un T, avec le 105 macro, histoire de goutte, nous précise-t-elle. Voilà un joli cliché, et je trouve que c'est plutôt bien réussi. Et elle précise bah, qu'elle a commencé la photo il y a juste un an, et que bah, elle tâtonne, et que quand elle voit certaines photos d'autres personnes, bah, elle se dit qu'elle n'a pas forcément le. Toujours le niveau, mais que bon, elle, c'est plaisir et que voilà, on la récompense pour cette jolie photo et sa persévérance, en espérant qu'elle nous continue à nous proposer d'autres belles photos. Oui, pour un coup d'essai, c'est un coup de maître. Concernant le phare de tout à l'heure, il y a François qui nous dit que ce serait le phare du Guilvinec. Il a peut-être aussi raison. C'est vrai que je le connais un peu moins, mais on va dire qu'il a gagné. Alors, il a gagné, bien sûr, toute notre considération de la Sigma Team. Une fleur parmi les fleurs. Oui, c'est Bertie Debs qui nous propose ce joli portrait cadré, voilà, bien centré, mais au milieu de toutes ces belles fleurs, voilà, une jolie pose plutôt naturelle. C'est réalisé avec un Sony Alpha 7 III associé au fameux 105 1.4 DGHSM. Oui, DGHSM pour emmonture Sony. Et bien voilà, effectivement, la signature de ce 105 1.4 hein, qui nous crée de jolis bokeh, de très belles photos. C'est Voilà. toujours assez classique hein, comme type d'image, mais c'est toujours efficace avec de belles couleurs chatoyantes qui mettent en avant le portrait. Autre style de portrait. Alors là, on dirait la coiffure de ton ami Tony. Notre ami Tony Noël, ben oui, notre bon photographe lyonnais. Là, c'est une photo d'Antoine Faure qui nous dit pas beaucoup de précision. On a juste l'optique, c'est le 150-600 Contemporary. Mais ben voilà, une fois de plus, hein, c'est la signature de cette belle focale de ce zoom qui est fortement utilisée où on retrouve ben, et le piqué. Et le bokeh, c'est toujours très spectaculaire, bravo. Alors le 150-600 Contemporary, hein, c'est vraiment aujourd'hui l'optique star dans les longues focales, dans les télés. On le retrouve bah, aussi bien sur les meetings comme il y a 10 jours. La semaine d'avant, j'étais dans une réserve ornithologique sur un événement de la team Panajou. Et bien là aussi, il y avait du 150-600 Contemporary. Donc c'est vraiment aujourd'hui la star. Vous pouvez, pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui hésitent, hein, l'acheter les yeux fermés. Vous allez avoir un produit qui est un très très bon rapport qualité-prix, hein, puisqu'il est tout juste aux alentours des 1000 euros. Et vraiment, il va marcher aussi bien sur du Canon que du Nikon, aussi bien sur du réflexe que sur de l'hybride. On l'a vu avec les bagues R ou les bagues Z. Donc, vous voyez, Renaud vous met le lien dans le chat. Hein, allez-y, profitez-en. L'été arrive, il est encore temps de faire des beaux portraits animaliers ou de bien d'autres choses encore avec le soleil qui arrive.
par exemple, un portrait de chien, même si celui-là n'est peut-être pas fait aux 150-600, Damien. Et non, 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 là, c'est signé Coca Photographie, et c'est le Kira, c'est le nom de ce joli chien, dans les coquelicots. C'est réalisé avec un boîtier Canon R6, hein, le boîtier hybride, toujours, avec la bague d'adaptation, et une fois de plus, signé avec le 105 mm 1.4 AR en monture Canon. Bah voilà, on retrouve toujours ce bokeh, et puis on peut remarquer bah, effectivement ce soleil qui arrive à l'arrière, qui éclaire le côté droit du chien, l'arrière du chien, avec une grosse maîtrise du contre-jour. Donc j'imagine qu'il y a eu soit un petit coup de flash, soit des réflecteurs pour pouvoir déboucher les ombres à l'avant. Mais si Coca est présente sur le chat, elle pourra nous expliquer un petit peu sa manière de faire cette photo. Et on s'aperçoit quand même que de plus en plus, le 85, le 135 1.8, le 85 1.4 ou le 105 1.4, qui sont des optiques destinées au portrait, bah font de plus en plus des photos d'animaux, alors portraits également, mais et on voit que vraiment on arrive à une très très belle qualité, donc là aussi, félicitations aux photographes. On pourrait dire une photo qui a du chien, mais bon... Ah, là, ça va être une petite dédicace à notre ami Denis Aguilar, je crois. Et oui, Denis Aguilar, qu'on a rencontré il y a 10 jours, hein, sur ce fameux salon, ce meeting aérien à Cognac. Une gentille personne, voilà, j'espère qu'elle est présente aujourd'hui. J'ai pas fait attention si dans le chat il était là. Denis, mais en tout cas, bah, merci. Denis, il est spécialiste, hein, de ces petits oiseaux, ces martins pêcheurs qu'il affectionne tant dans sa Charente. Et voilà, et puis il est aussi passionné par tout ce qui est volant, donc tout ce qui est aussi avion. Et c'est à ce moment, pendant ce festival, qu'il est venu se présenter à nous en disant qu'il avait l'habitude de nous suivre. Et il a constaté que l'on existait vraiment, que Damien et moi-même étions bien des membres de l'équipe Sigma et qu'on était présents lors des événements Sigma, comme on l'est toute la semaine également dans les magasins. Donc Sigma, c'est une famille avec des membres réels qui travaillent tous dans un esprit, pas de perfection, mais dans un esprit de vous apporter le meilleur service avec les meilleures optique possible au meilleur des prix. Alors là, c'est peut-être un blaireau, le photographe. Pas du tout, mais c'est Philippe Rousseau qui nous propose effectivement une jolie photo de blaireau avec Alors, son boîtier, non, il n'est pas spécifié. Par contre, il utilise le 85 1.4 DG AR pour ses amis blaireaux, dit-il. Et là, c'est un jeune qui est bien curieux et qui s'approchait vraiment près de lui. Voilà, une belle image qu'on ne voit pas tous les jours. Bravo. Oui, ça confirme ce que je disais tout à l'heure là, sur les optiques portraits qui, de plus en plus, sont également utilisées en animalier pour faire de beaux portraits d'un blaireau ou d'autres animaux. Il y a le choix pour choisir son portrait. Par exemple, un portrait d'oiseau. Alors là, on va aussi demander le secours de nos amis chatteurs parce que on n'arrive pas à déterminer exactement ce que c'est comme oiseau. Voilà, dites déjà avec quel matériel ça a été pris. Ouais. Alors c'est une photo déjà de Christian Marceau qui utilise lui du boîtier Nikon APS-C et il utilise lui aussi le 150-600 Contemporary. Bon voilà, encore le piqué et le bokeh mis à l'honneur par cette optique-là. Alors on avait pensé à un martin pêcheur, mais en comparant par rapport à la photo de Denis tout à l'heure, on s'aperçoit que le bec n'est pas tout à fait le même, donc bon... si certains ont une idée de ce qu'il y a, on va voir. Je vois qu'il y a également quelqu'un dans le chat. Alors, c'est qui ? C'est Patrick qui demande s'il y a un événement Sigma en Bretagne-Côte d'Armor.
Alors, je crois qu'il doit y avoir un événement en Bretagne, mais plus dans le Finistère, puisqu'il me semble que le magasin Camara Grenier à Brest va participer à un meeting ou à un salon. Alors, on n'y sera pas présent, nous, en tant qu'équipe Sigma, mais il aura sans doute du matériel Sigma en présentation. Mais il faudrait se rapprocher de ce magasin-là pour avoir un peu plus de renseignements sur les dates. Allez, on prend notre envol. Oh, une vache de photos, ça. Exactement. Merci à Camille Dutilleul qui nous propose effectivement ce portrait de vache très paisible avec des tons assez doux, assez pastels. Et c'est réalisé avec un 150-600 Contemporary. Alors, je ne sais pas si c'est une impression de moi, hein, mais j'ai l'impression que les filles photographes ont des sujets des fois un petit peu différents de nous, les hommes photographes, et qu'elles n'hésitent pas à avoir des sujets qui pourraient sembler, entre guillemets, banals pour nous, mais qui, sous leur œil de photographe, font des très belles photos différentes. C'est toute la magie de la photographie. Qui ne l'oubliez pas, ne l'oublions pas, dépend aussi en grande partie de l'œil du photographe ou de la photographe dans ce cas-là. Alors, autre rugissement, celui des chevaux mécaniques. Exactement, et là c'est Matisse qui propose une petite série. Là, on a quelques photos à vous présenter. C'est une compétition de drift, voilà, des dérapages contrôlés et maîtrisés de ces belles bêtes mécaniques. C'est réalisé avec du 70-200-28 et associé à un Canon 7D Mark II. Donc Matisse nous annonce que c'est ses premières publications. Et ben, le voilà déjà récompensé. Voilà, ce qui montre bien qu'il ne faut pas hésiter à venir poster vos photos sur le groupe utilisateur Sigma, même si c'est la première fois. Il faut pas avoir peur, hein, c'est dans la bienveillance, dans le respect. Et puis, vos photos ont toute leur chance d'être sélectionnées comme cette série qui montre aussi les qualités du 70-200-28, hein, d'avoir un plan plutôt large ou un plan resserré sur le casque du pilote. Le tout avec pas forcément de la grande lumière, donc l'ouverture de 8 est là aussi très intéressante. Voilà. Alors après, on peut toujours, par exemple, est-ce que le fait que l'horizon penche, c'est un plus ou un moins? Voilà, ça c'est peut-être le genre d'annotation qu'il y aura ou de dialogue qui va s'installer dans le groupe utilisateur Sigma pour savoir si l'effet est intéressant. Moi, je trouve ça pas mal, plutôt dynamique, mais peut-être d'autres avis. Non, bien sûr, hein, il faut mettre des diagonales pour mettre aussi du mouvement dans son image. Donc là, ça fonctionne carrément bien, bravo. Beaucoup d'œil, beau cadrage. Alors, autre cadrage, là c'est un hélicoptère, on en a vu aussi à Cognac, mais là je crois que c'est encore même plus près d'Angers. Oui, c'est à Cholet, c'est un meeting hélico à Cholet en Maine-et-Loire. C'est Richard Blond qui nous propose cette jolie photo. C'est fait avec un Sigma, le 100-400 DGDN, associé à un petit boîtier Sony, le 6006. L'idée est bonne, hein, d'associer ces petits boîtiers compacts et légers avec des capteurs APS-C sur du 100-400. On a un combo qui est très maniable et très léger, facile à utiliser. Ça fait l'équivalent d'un 150-600 pour réaliser ce genre d'image. C'est parfait. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que Richard a bien maîtrisé sa vitesse puisque d'obturation, puisqu'il est au 1/200 de seconde. Il aurait pu baisser un tout petit peu encore pour avoir un petit peu plus de flou au niveau des hélices, des pales. Mais voilà, il ne faut pas, sur ce genre d'image, pour donner l'impression de vitesse et de mouvement, il ne faut surtout pas avoir des vitesses très rapides pour figer. Voilà. Et on a eu quelques bons cours, dont Denis Aguilar qui nous a donné quelques conseils de prise de vue sur le meeting aérien de Cognac. Tout à fait.
Toujours intéressant de discuter avec les photographes, les spotters, comme on les appelle, sur un meeting et qui vous donne de précieux conseils, notamment justement sur le figer ou pas figer les hélices des avions. Alors là, on change complètement de style et un très très beau effet miroir là aussi, en noir et Voilà, blanc. hein, Xavier Frénois qui utilise lui le 50 mm 1.4 en série AR sur un boîtier plein format. Et ben voilà ce genre de beau cliché en noir et blanc avec une lumière bien maîtrisée, une des tonalités dans les tons gris qui sont assez sympathiques. Et puis voilà, c'est juste le petit œil comme ça du modèle qui ressort sur ce miroir. C'est très très bien cadré et ça fait un joli résultat. Bravo Xavier. Bien cadré, un AF très précis sur l'œil, donc le flou de premier plan, le flou d'arrière-plan, vraiment belle construction photographique. Alors, ça, c'est un gorge bleu, il me semble, qu'on a cherché vainement dans la réserve ornithologique du Teche il y a 15 jours, puisqu'on était avec une centaine de photographes ornithologues. Il y en avait normalement dans la réserve, mais on ne les a pas vus ce jour-là et on est bien content de les voir aujourd'hui sur cette photo. Et voilà, c'est Christophe Wagner qui nous propose cette photo de gorge bleue à miroir. C'est fait avec un boîtier Nikon D500 et lui utilise le 500 mm F4 Sport et c'est fait en Moselle, dans la Lorraine. Et bien voilà, hein, donc on retrouve bah, la signature hein, de cette optique, le piqué, le bokeh et voilà le genre d'image qu'on peut réaliser assez facilement avec ça. Bravo. Alors, le 500, autant le 150-600 Contemporary est l'optique la plus vendue en plus avec un rapport qualité-prix inégalé puisqu'on est aux alentours de 1000 euros, autant le 500 est également une optique très vendue dans les focales fixes puisque le rapport qualité-prix aussi de ce produit Sigma est vraiment très très intéressant. On est à moins de 6000 euros pour un 500 F4 et on l'a encore constaté lors du meeting aérien de Cognac où bah, certains l'ont testé et a priori adopté. Quoi, qu'est-ce que c'est que cette photo? Quoi. Une jolie grenouille dans un bassin, c'est dans le département de la Vienne et c'est Géraldine qui a réalisé ce cliché avec un boîtier APS-C Nikon le 5600 et on retrouve une fois de plus le 150-600 Contemporary. Et bien voilà, on peut faire aussi ce genre de gros plans comme ça en proxy photo. Puis la grenouille se laisse quand même approcher assez facilement. Si on ne fait pas trop de bruit et pas trop de mouvements brusques, on arrive à réaliser ces beaux portraits. Bravo. Alors surtout là, en plus, que comme elle a un APS-C, on est sur un 225-900. Donc, elle peut rester à 3 mètres ou à 2,80 m, je crois, oui. Et faire sa mise au point sans aucun problème. Donc, voilà, une belle photo, l'œil bien net pour cette rainette. Alors là, une photo que je trouve assez poétique, puisqu'on dirait, vous savez, ces fameuses boules avec la tour Eiffel et la neige qui tombe quand on retourne, parce que j'aimerais bien cropper dans cette photo pour voir vraiment tout ce qui est contenu dans le reflet sur cette goutte de pluie. Voilà, c'est une goutte de pluie qui est en équilibre sur ce petit brin d'herbe. C'est fait par Jean-Luc Moutier et lui, il utilise le 105 macro. Et effectivement, on a une hyper netteté sur cette petite goutte d'eau et on voit dans les reflets que les brins d'herbe voilà, qui sont autour et qui passent dans cette goutte d'eau, on les voit en reflet en tout cas. C'est magnifique. Et ce noir et blanc, je trouve que ça va bien. On n'aurait pas eu le même résultat sur une photo en couleur, sauf que les contrastes entre les gris, les blancs et les noirs sont parfaits. Bravo. Voilà, des fois, on s'aperçoit qu'avec très peu de choses, on peut faire une très très belle photo, puisque là, il suffit d'une goutte d'eau, quelques brins d'herbe. Donc, vous pouvez le trouver dans votre jardin si vous avez un petit jardin.
n'y a pas besoin des fois de parcourir la planète pour faire de très très belles photos. Autre style de photo qui marche bien également, cette sauterelle. Voilà, hein, et là, l'avantage, hein, c'est qu'on est ton sur ton, vert sur vert. Et c'est Florian qui réalise cette image avec un boîtier Nikon plein format, le 780, et le 105 macro Sigma monture de Nikon. Il est en priorité ouverture à 1/400. En ouverture, il est à 3,8 et ISO 200. Eh bien, une belle maîtrise en tout cas de la composition et surtout des lumières. C'est pas évident, voilà, un arrière-plan comme ça où on voit la lumière rentrer entre les brins d'herbe. C'est tout en maîtrise, tout en délicatesse. C'est bien vu, bravo. Un autre type d'animal, un renard, un goupil. Et là, c'est très très bien vu ce petit clin d'œil du renard qui slèche les babines. Mathias Lhomme qui utilise lui un boîtier plein format, le 5D Mark IV. Il l'a associé au 150-600 Sport Sigma. Et bien voilà un très très beau résultat. Et Mathias précise dans son intitulé qu'il était sur un affût improvisé, qui n'était pas vraiment prévu. Une très très belle image en tout cas, et sympathique avec ce petit clin d'œil. Bravo. Là, une photo là qu'on pourrait aussi dire classique, hein, on pourrait dire presque un fond d'écran pour votre ordinateur. On s'aperçoit que la photo, c'est aussi le chemin, hein, c'est pas forcément que le but, mais le chemin pour arriver au sujet vous procure du bonheur, comme cette route qui s'en va et qui serpente à travers les quelques montagnes du Nord, je suppose. Ouais, Bertrand, moi j'adore ce genre d'image. C'est vraiment des images comme ça où on voit ces routes enlacées qui amènent l'œil au loin, qui amènent au voyage. Je suis vraiment fan de ce genre d'image. C'est Julien Michel qui propose ce joli cliché. Et lui, il utilise un Canon R6 avec le 24-105 qui ouvre à 4. Et c'est vrai qu'on ne voit pas tout le temps, et pourtant c'est une optique qui a été très très vendue, mais on la voit pas tout le temps mise en avant, en tout cas sur sur le blog utilisateur Sigma. Et là, il est dans l'Est, en Islande. Et bien voilà, un joli cliché en tout cas. Bravo. Et une nouvelle preuve que une optique DG réflexe numérique marche très bien sur un hybride numérique, via les bagues des constructeurs. Alors, la route nous a emmenés jusqu'à un stade. Exactement, et là, c'est vraiment des photos de sport, d'action. Moi, j'aime bien ce genre de clichés aussi, où voilà, d'un coup d'œil, l'œil part directement sur le casque, sur les bras et le ballon, et c'est mis en avant encore plus par le joueur, le numéro 12 qui est devant, qui passe devant l'action, devant le photographe, et qui amène aussi par son flou cette dynamique à l'image. Et c'est Luc Brossard qui a réalisé cette image avec un 150-600 Sport, et il dit un vrai régal. Et ben oui, Luc, merci pour ce compliment, mais oui, c'est vraiment une très belle optique, bravo. Qui donne de très belles photos avec un bon œil de photographe sportif. On revient avec nos amis petits, les insectes. Et voilà, et là c'est Christophe Brunet qui lui utilise le premier boîtier hybride plein format Canon, le OSR, avec un 105 macro Sigma adapté par la bague Canon. Donc voilà, tout fonctionne toujours très très bien. Moi, ce que j'aime bien dans cette image, ouais, c'est que effectivement, il y a une hyper netteté, hein, on voit sur l'œil de ce papillon, et on a l'impression que l'œil du papillon, c'est une pierre précieuse taillée, et on voit ce papillon
plonger sa trompe pour aspirer le nectar de cette jolie fleur. Et ben, beau cliché. Bravo. On dirait qu'il boit son cocktail à la paille. C'est ça. D'ailleurs, ça va bientôt être l'heure du cocktail. Autre type d'insecte, autre photo, autre style. Oui, là, c'est Zoerbrium qui nous propose une très, très belle image, tout en poésie. Et c'est Lady from Heaven, hein, c'est le titre de sa photo. Lui, il utilise un 105 macro. Eh bien, voilà, il a pas fait de la macro de très, très près. Il a juste, mais voilà... mis les deux petites coccinelles, voilà, il les a saisies comme ça en plein vol, elles sont posées, mais voilà, sur ces tiges et sur ces tons pastels, c'est très très poétique. Et je regardais un petit peu les commentaires, il y a eu pas mal de commentaires, mais il n'a pas donné son secret de fabrication sur comment il avait réalisé, voilà, si c'était du post-traitement ou pas, et comment il avait pu obtenir ce joli tirage. Parce qu'on dirait presque des grimpeurs de cascades de glace. Donc c'est très très sympathique comme photo. Et alors, on a parlé du 150-600 Contemporary, la star des téléobjectifs, le 500, la star des focales fixes. Bah, on peut aussi dire que le 105-28 DG OS macro est la star des optiques macro, puisque on s'aperçoit que beaucoup beaucoup de photographes l'utilisent. Là aussi, c'est une optique qui est très abordable au niveau prix, puisqu'on est à moins de 500 euros et qu'il marche très bien sur tout style de monture, que ce soit du réflexe numérique ou de l'hybride maintenant. Vraiment, une optique qui fait le job, et que bah, pour ceux qui aiment la macro et qui ne l'ont pas encore, allez-y. C'est bientôt la fête des pères. Bon, la fête des mères est passée, mais autrement, il y a la fête des pères encore. Donc, vous pouvez vous faire plaisir. C'était avec cette photo énigmatique de grimpeur, de coccinelle grimpeur de glace que l'on termine cette sélection. Avant de se quitter, deux, trois infos. À commencer par la remise sur le 28-70 de 8 DGDN jusqu'à la fin juin, Damien. Oui, depuis le 15 mai jusqu'au 30 juin 2022, dans tous vos centres premium et vos magasins habituels de revente, vous pouvez bénéficier sur le 2870 F28 DGDN, qu'il soit en monture L-Mount ou en Sony, vous pouvez bénéficier d'une remise de 100 euros immédiatement en caisse. Donc, vous avez tout le mois de juin pour en profiter. Ça permet d'avoir un petit produit très qualitatif, léger, peu encombrant, dans la gamme Contemporary, et qui est très abordable en prix. Et puis, un petit teasing. Oui, exactement. Hein. On l'a dit, on revient du meeting de Cognac. C'était il y a 10 jours. Et bien voilà, on a la chance d'avoir eu Julien Mijot qui est venu avec nous. On le voit ici en tenant sa caméra. Voilà, il est venu réaliser un petit reportage, un petit film qu'il est en train de finir de monter, et bientôt, on va pouvoir vous le proposer. Donc pensez à vous inscrire sur les chaînes YouTube, notre chaîne YouTube, et puis aussi de le partager. Renaud va mettre un lien directement sur le côté dans le chat, comme ça vous aurez plus d'excuses pour dire je suis pas inscrit sur cette belle chaîne. Alors là, on voit Julien d'ailleurs en train de filmer un possesseur de 500 F4 qui était, et la vidéo devrait sortir dans les prochains jours, je crois. Ce sera très intéressant, ça vous montrera un petit peu ce qu'est une ambiance de spotter et ce que nous faisons, nous, Sigma, depuis 2014, que nous sommes présents sur les meetings organisés par la FOSA. Je rappelle quand même que la FOSA, c'est la Fédération des œuvres sociales de l'armée de l'air. Donc, c'est une association qui vient en soutien des orphelins, notamment
militaires de guerre et aux blessés. Donc, on participe à ce titre-là, à ces meetings. On n'est pas là, on n'est pas présent autrement dans d'autres meetings, mais on est présent, on soutient la FOSSA depuis le début de leur initiative des meetings. Et c'était très agréable de se retrouver cette année. Je crois que c'est le seul meeting de la FOSSA cette année, Damien, il me semble. Oui, c'était le seul cette année. Ouais. Donc, vous aurez, en vous abonnant à la chaîne YouTube Sigma France, vous aurez. Vous pourrez voir le résultat et vous pourrez également voir tous les contenus, alors tous les directs que l'on fait avec Damien, mais également les tests, des tests d'objectifs faits par d'autres photographes. Donc vraiment, on a sur YouTube, vous avez non seulement la qualité optique, mais vous avez également un contenu beaucoup plus complet que sur notre page Facebook, par exemple. Donc Damien, Renaud vous met les liens dans le chat. Sur ce, Damien, on va, je crois, se quitter, se donner rendez-vous dans un mois pour vos photos à la une numéro 6, les coups de cœur du mois de juin. Je vais te souhaiter une bonne semaine. Je vais vous souhaiter à tous vous, les photographes, de bonnes photos, de bons investissements dans le matériel Sigma, bien sûr, et au plaisir de se croiser ou de se revoir dans un mois. Bonne semaine, Damien. À très bientôt, Bertrand. Merci à vous tous de nous avoir suivis et puis continuez à poster des images, ça nous fait plaisir. Continuez à nous suivre sur les réseaux et à très bientôt.